Hello, 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 bon après-midi à vous. Est-ce que vous êtes là? Merci, merci, merci à vous. J'ai beaucoup de gratitude. Merci pour les souhaits, les vœux pour mon anniversaire qui a eu lieu le 19 novembre. Merci du fond du cœur, ma famille royale. Merci pour tous vos cadeaux. Merci pour tous vos PayPal, vos virements. Merci pour toutes ces personnes qui ont une pensée ce jour pour moi. Merci beaucoup. En tout cas, le 19 novembre. Maman, ça commence comme ça. Le 19 novembre, en tout cas, je me suis sentie honorée. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Je me suis sentie très honorée, en tout cas. Très honorée. Merci, merci beaucoup, ma famille royale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci, merci. Merci du fond du cœur. Quand on reçoit de l'amour, ça ne peut que faire chaud au cœur. Ça fait du bien à tout le monde. Voilà, de recevoir un peu d'amour, c'est cette boule d'énergie-là, vraiment, ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais vous faire un live ce jour, mais je n'ai pas eu le temps. Voilà. Je n'ai vraiment pas eu le temps ce jour parce que j'avais beaucoup de choses à faire. C'était mon anniversaire, non? Voilà, il fallait enjoy, profiter au maximum. Je me disais ce jour, en fin de matinée, je vais vous faire un petit live pour vous dire comment j'ai passé la journée, où je suis, etc. Mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. On voulait même pas me laisser quitter, me laisser partir. J'ai pas pu. Je suis désolée pour ça. Alors... Gracia, merci beaucoup, merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Alors, avant de commencer, on va aborder un tout nouveau thème. Je voudrais vous parler de notre plante Atoté. Donc, nous avons eu arrivage. Lorsque je ne parle plus de ça, c'est parce que simplement, je n'ai pas de stock. Je n'ai pas, voilà. Donc, du coup, je me dis que je ne veux pas des commandes où je ne peux pas livrer, que je ne pourrais pas livrer. La Béni Galon, merci beaucoup. Oh là là, qu'est-ce que c'est adorable. T'es chou, merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je t'aime tellement, si tu savais. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait du bien. Hein. Recevoir l'amour, ça fait du bien aussi. Hein. Voilà. Surtout quand tu donnes, je donne beaucoup d'amour. Donc quand je reçois, je prends, j'ouvre mes mains. Je dis, Seigneur, déverse tout ça. Déverse l'amour, là, déverse. Parce que c'est ça. Déverse cet amour pour me remplir de l'intérieur. Alors, je vous parle de notre puissante plante, Atoté. Voilà. Atoté, cette plante-là qui fait les merveilles dans les couples. Si ton gars-là, voilà, tu veux que ton mari soit faf. Voici le secret. Faut faire cela. L'homme, c'est les reins. Comme je dis souvent. Je dis souvent à mes filles, non. L'homme, c'est les reins. Ma reine, il faut acheter pour offrir à monsieur comme cadeau d'anniversaire. Vous savez, il y a des hommes là qui n'acceptent jamais que, voilà, ils sont faibles aux fesses. Donc, parfois là, il faut seulement prendre ça. Prendre ce 3 sachets là parce qu'un homme a besoin d'utiliser 3. S'il a l'éjaculation précoce, s'il perd du tonus là, vous voyez un peu, non? Si tu ressens que les rapports, il est un peu fatigué. Parce qu'à un certain âge, les reins, ça se fatigue. Avec le travail de Mbengisi là, les reins se fatiguent. Donc, maman, vous savez, les hommes avaient leur orgueil. Je vous ai dit non. Il faut prendre ça avant les rapports sexuels. Atoté. La plante qui fait les merveilles. Oui, 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 oui. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, renforce l'orgasme. Oui, donne du tonus pendant les rapports sexuels. Nous livrons partout. Oui, nous livrons partout. Voilà comment monsieur devient. Il devient comme ça, fort. L'homme, c'est le règne. Papa, il doit donner le coup de règne ici. On entend ça. C'est-à-dire que il te donne un coup de règne. Tu vois ton esprit par une fois au paradis. Donc, passez vos commandes. Merci beaucoup, Esther. Merci beaucoup. Gros bisous à vous. Gros bisous à toutes ces personnes. Massis tout. Gros bisous, massis d'amour. Gros bisous, massis. Massis d'amour. Gros bisous. Voilà. C'est très important. Il y a également aussi notre plante-là. Cette vieille plante-là. Le Dieu qui a combiné au caca. Maman, une composition qui fait des ravages. Lorsque vous faites ces deux mélanges, mes reines, vous connaissez déjà, non? Vous faites ces deux mélanges là, maman. Ces femmes-là qui n'ont plus envie de leur mari. Je n'ai plus envie de mon mari. Il me dégoûte.
lorsqu'on a les rapports sexuels, je ne sens plus. Ces femmes qui ne mouillent plus pendant les rapports sexuels, ces femmes-là, donc, qui n'arrivent pas à voyager, ces femmes qui font semblant d'avoir du plaisir, ne trompez plus vos époux. Hein, mes reines? Ne trompez plus vos époux. C'est 10 euros en promo. Le grand sachet là, 10 euros. Nous livrons partout. Vous comprenez? Arrêtez de crier pendant l'acte sexuel. Pourtant, vous ne ressentez rien. Hein, mes reines? On se connaît. Oui. Ah. Pourtant, vous ne sentez rien. Rien du tout. C'est-à-dire que votre esprit est même ailleurs. Arrêtez de les tromper. Parce que l'homme, quand tu cries là, c'est là où il sent qu'il est. Oui, il est en train de... Maman, il faut prendre ça. Maman, les femmes qui sont ménopausées, qui ont des bouffées de chaleur, qui ont des effets secondaires à cause de la ménopause, ça, c'est très bien pour vous. Oui, ça vous rend, vous êtes nerveuse, tout ça. Vous manquez de sang, vous êtes anémien. Ça, c'est très bien. Vous avez aussi la mauvaise haleine. Vous avez un mari qui a la mauvaise haleine. Vous avez une femme qui a la mauvaise haleine. Le nep-nep, c'est très bien pour la mauvaise haleine. Mauvaise haleine chronique. C'est très bien le nep-nep. Ça se mange. Avant d'aller à un rendez-vous, maman, tu as la mauvaise haleine. Tu comprends, non? Mange quelques morceaux de nep-nep, maman. Tu auras une bonne haleine. Est-ce que vous comprenez, mes reines? Je fais tout ça pour vous. C'est par amour que je fais tout ça. 10 euros. C'est par amour que je fais tout ça pour vous, maman. Pour que la relation sentimentale, vous soyez épanouie aussi. Vous soyez contente. Parce que les femmes qu'on ne tourne pas bien là, elles ont toujours le visage attaché. Tout le matin à 6 heures, qu'est-ce qui peut faire qu'une femme ait le visage attaché? Une femme qu'on a bien tourne la nuit. Non, c'est les femmes, vous savez... Dans les relations, dans le mariage, il y a des hommes là dans le mariage, oui, qui ne font rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire que quand ils commencent à te caresser comme ça, là, le zizi meurt. C'est-à-dire que pendant que toi, tu es en train de te préparer, c'est maintenant que tu veux voyager. C'est maintenant que tu veux prendre ton pied. Lui, il est déjà couché en train de ronfler. Maman, il a besoin de cette plante-ci à côté. Il a besoin de prendre ce thé-là. Maman, accompagnez vos hommes. Vous savez, les hommes avaient l'orgueil, non? Ils sont faibles, mais ils n'acceptent jamais. Ça dit qu'il va toujours te donner les raisons. Il est toujours en train de donner la bouche. Donc, maman, moi, je dis toujours, vous connaissez ma philosophie, il faut éviter les problèmes dans le foyer. Il y a les problèmes vraiment qui ne servent à rien. Il faut éviter. Pour éviter, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes simplement le médicament. Avant d'avoir les rapports sexuels, tous les jours, tu lui donnes, il boit. Même si vous n'avez pas les rapports sexuels, tous les jours, tu fais le thé. Tu lui donnes, il boit. Il ne saura même pas exactement ce que c'est. Mais il va voir que il a une certaine énergie, une certaine force. Lui-même, il va te dire que, mais, qu'est-ce qui s'est passé? Si toi aussi, tu as besoin d'être forte pendant les rapports sexuels, ça, c'est pour toi. Ça dit que tu vas être chaude en bas, bonne. Ça dit que tout va être reformaté. Le bas se formate. C'est très important. Maman, je vous ai déjà expliqué. Je vous explique tout ici, là. Je ne vous cache rien. Je vous donne les petits secrets de grand-mère. Les petits secrets de grand-mère. C'est ça nos petits secrets. Vous dites que oh, vous voulez seulement mettre les ovules, les choses des blancs. Maman, moi je me familiarise avec les petits secrets de grand-mère. Nos mamans ont utilisé ça, elles ne sont pas décédées. Donc les gens qui viennent me demander que oh, ça vient d'où, ça sort d'où, explique-nous ça, les effets secondaires. Hein? La médecine traditionnelle, nos herbes, aucun effet secondaire. Atoté, c'est une plante qui est connue. Aucun effet secondaire. Ce que vous allez acheter à la pharmacie, là, tous les jours, les ovules dedans. Tous les jours, les ovules dedans. Vous avez les pertes blanches chroniques. Ça vient aujourd'hui. Quand tu utilises des ovules, ça fait genre, c'est guéri. 4 mois, ça reprend. 3 mois, ça reprend. 6 mois, ça reprend. Maman, il faut utiliser les plantes. Les plantes naturelles. Maman, quand tu utilises les plantes naturelles. Ne mettez pas le dioka dedans. Vous aimez les... Ne mettez pas le dioka dedans. Tu fais seulement ta toilette avec. À la façon de grand-mère, là, le dioka. Tu viens d'accoucher. Maman, tu bois, tu fais ta toilette avec. Maman, 2 semaines, tu es opérationnel. 2 semaines, tu es opérationnel. C'est très important. 2 semaines, tu es opérationnel. Parce qu'un homme ne doit pas faire 1 mois sans avoir les rapports sexuels. Je vous ai déjà dit. Sauf si la femme est malade. Sauf si la femme est malade, sauf si elle saigne, sauf si voilà. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que je dis souvent, les femmes qui font les jeûnes de 40 jours, 300 jours là, c'est un péché. Une femme mariée ne doit pas faire le jeûne de 40 jours, 30 jours, elle sert son mari. Non. Et il y a même les jeûnes que quand on fait, on tourne toujours. Je dis moi toujours, je vous dis toujours, je vous dis la vérité.
Un homme que tu vas sévrer, tu n'es pas malade pendant 3 mois de jeûne. Il te dit que je suis fidèle et toi tu crois. Maman, ceux qui se masturbent, vous comprenez un peu? Ceux qui se masturbent, dans mes reines. Moi, je vous donne tous les secrets. Je vous donne toujours les secrets. Les secrets de grand-mère. Vous savez qu'ici, c'est un peu de modernité, un peu de tradition. Oui, on est en Europe, mais on garde ces valeurs-là. On a grandi avec une certaine culture. Vous ne pouvez pas tuer notre culture. Non, on ne peut pas tuer cette culture parce qu'on est français, parce qu'on a la nationalité. Comme l'autre dit souvent, en tout cas, ce n'est qu'un papier. Mais c'est-à-dire que le sang que nous on porte là, c'est-à-dire que ça vient de l'Afrique. On ne peut pas renier ça. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, je meurs avec les produits. Vous ne pouvez pas me voir prendre les remèdes, les ceci, les cela. Je, même pour les migraines, les maux de tel, les ceci, j'ai mes trucs traditionnels, je les prends. Vous ne, non, je ne blague pas avec. Non. Je ne blague pas avec. Ma mamie de Dieu, quand j'ai toujours ça. Quand tu prends le Dieu constamment, ça, ce sont les reines qui me l'ont dit. Ça lave le teint. Ça te donne un beau teint, un teint uniforme. J'ai des femmes qui achètent ça en stock. Une fois, je l'ai demandé, mais vous faites quoi avec? Ça tire quand même mon attention. À cause, tu sais pas que ça lave le teint. Ça lave le teint. Oui, et ça t'évite d'être malade. Oui, quand tu prends le Dieu qu'a constamment, il y a les maladies que tu n'as plus. Il y a les maladies que tu n'as plus. C'est-à-dire que les histoires, j'ai mal au dos. J'ai mal ici, j'ai mal au genou, j'ai mal au... Maman, tu es toujours... Tu as une certaine énergie, toi-même, tu sais pas d'où ça vient. Vous me voyez ici quand j'accouche. J'accouche après 2 semaines, après 1 semaine. D'abord que vous connaissez Mbeng, non? Est-ce que quand tu accouches ici, tu as que j'ai X qui va venir tourner le coussou pour moi. J'ai Y qui va venir. Maman, avec césarienne là, 3 jours, tu es déjà debout. Tu es déjà debout pour laver ton bébé. Tu es déjà debout pour faire. C'est ça qui me sauve. C'est ça qui me sauve. Le Dieu qu'a en fait, elle de grâce, c'est une plante naturelle qui nous vient. Moi, je suis camerounaise. Donc, moi, je n'ai pas connu cette plante-là au Cameroun. Hein. Je pense qu'elle nous vient de l'Afrique de l'Ouest. Oui, elle est beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est de là que nous vient cette merveilleuse plante-là. En fait, le Dieuka, c'est une plante qui pousse dans les champs, hein, partout. C'est un arbre. C'est un arbre, ça a des feuilles. Voilà, on cueille. Ça, c'est-à-dire que vous connaissez les feuilles de manioc chez nous, non, les Camerounaises. Ça vient comme les feuilles de manioc comme ça, là. Elles sont fraîches, hein. Elles sont fraîches à la base. Et puis, tu peux les... Il y en a celles qui aiment les feuilles fraîches, vertes. Tu peux sécher. Donc, lorsque les mamans sèchent, ça devient donc comme ça. Lorsqu'on sèche les feuilles de Dieu, ça devient comme ça. Il y en a aussi qui écrasent. Donc, vous allez voir le Dieu en poudre, par exemple. Ce qu'on exporte généralement, quand vous allez... les gens qui font l'exportation, là, ils exportent généralement ce qui est en poudre, là, parce que, voilà, c'est facile, c'est pas lourd et tout ça. Voilà, il y a aussi écrasé, il y a aussi le frais. Mais généralement, le frais, c'est pour les gens qui vivent sur place, non. Nous, en Occident, le frais, c'est bon. Parce qu'un sachet comme ça, à 10 euros, tu peux l'utiliser pendant 3 mois, hein, petit à petit. J'ai une reine qui me dit que elle est aux États-Unis. Vous savez, les frais aux États-Unis, ça coûte cher. On est quand même dans les 28 euros, 29 euros. Elle me dit que, coach, je vois ça comme l'or et l'or. C'est-à-dire que je n'ai dit à personne. Je dis que, hé, ma reine, comment tu peux gâter le marché comme ça? Faut dire aussi à quelqu'un le secret pour que on me fasse la recette. Elle dit que, coach, parce que quand elle avait dit là, elle ne veut pas acheter. Donne-moi un peu. Coach, j'ai caché ça, je vois ça comme l'or. Je vais seulement utiliser, je prends 1, 2 feuilles. J'utilise. Quand je suis pen là, après 2 semaines et tout ça, je prends encore 1, 2 feuilles. Je peux mourir de rire. Ah, Estelle, aussi au Cameroun, elle pousse dans la savane. Ok, moi j'ai connu ça en Afrique de l'Ouest en fait. En Afrique de l'Ouest que moi j'ai connu, même le nep-nep, j'ai connu ça en Afrique de l'Ouest aussi. Non, ça ne dérange pas. Non, même si tu es à l'aide, il y a une personne, Momo, je sais pas, quelqu'un a posé une question là, non. Tu peux utiliser même quand, lorsque tu allais, mais c'est interdit pour les femmes enceintes. Tu peux utiliser au début de la grossesse. Dès que la grossesse est à un stade, là, il faut arrêter. Voilà, c'est pas conseillé. Surtout les femmes qui ont les problèmes, voilà, les grossesses à risque, là, c'est pas conseillé. Donc après, dès que tu accouches 2 semaines comme ça, tu recommences à boire. Tu vas voir, quand tu recommences à boire, tu vas beaucoup uriner. Et lorsque tu recommences à boire, vu que nous, on a les déchets, le sang là, tu vas voir le sang qui va sortir à flot. Les déchets vont sortir à flot, à flot, à flot. C'est l'effet du Dieuka et du Nep-Nep. Voilà, l'effet du Dieuka et du Nep-Nep. Voilà.
Donc, on va entrer. C'est pas le thème. Je refuse. Elle de grâce. J'ai déjà répondu à un commentaire. C'est pas le thème de cet après-midi. On va entrer dans le vif de notre sujet. Faut passer la commande. On va tout expliquer. Sceptique et antibiotique. Voilà. Estelle, merci beaucoup. Merci pour les détails. J'aime les détails. Merci beaucoup. Vraiment, quand j'explique ici là, il y a mes reines là qui sont plus que des Françaises. L'autre m'a dit l'autre fois chez Atote que, oh, je veux les, il faut m'expliquer. Mais allez dans Google, allez partout, allez sur YouTube. Vous allez voir ces plantes là, ce que ça fait, les bienfaits. Mais moi, franchement, moi, ça me choque parfois. Hein? Genre, oui, s'il te plaît, voilà, machin, tu, le chorobi ou ce chorobi. Mais ma chérie, genre oui machin truc, maman, nous sommes des africaines, nous sommes des africaines, vous régnez ça, oui, da, vous êtes blanc plus que les blancs même, vous êtes blanc, je peux compter, hein, je peux compter, parce que moi, je dans la vie, je ne fréquente pas beaucoup les noirs, je peux compter les connaissances blancs à qui je présente ça, elles achètent. Même à la poste, même à la poste, là où je vais déposer mes colis, toutes les femmes qui sont là-bas à la poste ont déjà acheté parce que tous les jours, vous venez déposer les colis, un jour, ça a attiré leur attention que, madame, c'est quoi comme ça, vous vendez, que vous vendez. Eh oui. Ah, on va tester, on va tester, on va tester. Parce que c'est bien pour la femme. C'est très bien pour la foufoune de la femme. C'est très bien pour la foufoune de la femme. Dani, je ne sais pas en français comment on appelle ça. Mais c'est que c'est le Dieu, car il y a ça en plusieurs langues. J'entends souvent les gens dire en live, en néo-ondo, on appelle ça comment là? J'ai oublié. S'il y a quelqu'un qui connaît, non? Si vous connaissez les noms, n'hésitez pas de mettre en commentaire. Ouais. Hein, le Dieu qu'a comme ça là. Maman, depuis que j'utilise le Dieu qu'a, le vul n'a plus vu mes fesses. Le vul n'a plus vu mes fesses. Les pètes blanches ne me localisent plus. C'est-à-dire que les pètes blancs ne me localisent plus. C'est-à-dire qu'il est bien vrai que j'évite d'aller uriner n'importe où, même lorsque je vais dans un café, un truc et tout. Mais, même lorsque j'y vais, je n'ai plus de problème. Parce que dès que je rentre, maman, j'utilise seulement mon Dieu Kala. Je suis sûr que je suis tranquille. Ça écrase, anéantit. Anéantit tous les petits virus là. Toutes les batteries là. Oui. Depuis que j'utilise ça, non, maman. Non, je suis comme ça là, mais le moteur fonctionne. Le moteur est rentré, a repris sa jeunesse, 15 ans. Comme vous me voyez là comme ça. Ne me voyez pas comme ça, hein. Le moteur là, c'est-à-dire que ça a 15 ans. Jeune, frais. C'est-à-dire que le moteur là n'a pas 38 ans. Ou c'est 39 ans. Il y a quel âge là? 39 ans. Moi, vous savez que quand on dépasse 20 ans, on ne compte plus son âge. Non? On sent qu'on a y agi. On le compte plus son âge. Le moteur là n'a pas 39 ans. Hein. Mon moteur c'est 15 ans. Frais, frais, chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Bien conservé. Et c'est très important. C'est très important. Voilà. Oh, le sujet d'aujourd'hui, maman. On a tellement parlé du Dieu. Le Dieu qui a été à l'honneur. Le Dieu qui a été à l'honneur. Si vous avez, s'il vous plaît, la posologie pour utiliser le nom en français, vous pouvez écrire en commentaire. Voilà, pour les personnes qui demandent. Ça me permet d'entrer, moi, dans le vif du sujet. Voilà. Appelez toutes les femmes là qui n'ont pas confiance en elles. Moi, j'ai dit que 2023, c'est notre année. 2023 ne doit plus nous trouver dans les pleurs. 2023 ne doit plus nous trouver en train de se saboter. Dans la critique, oui. C'est-à-dire que, taguez, appelez toutes les femmes là qui ne croient pas en elles. Toutes les femmes là qui passent le temps à se saboter, à s'insulter. Toutes les femmes là, oui, qui regardent toujours, oui, je suis si, telle personne est mieux que moi, vraiment de Dieu, je n'ai pas confiance en moi, maman. Vous croyez que la confiance en soi, oui, on est avec la confiance en soi. Maman, je le dis souvent en formation, j'ai travaillé ma confiance en soi au jour le jour. Personne ne naît avec la confiance en soi, en tout cas pas nous les Africains. Parce que ce qu'on a vécu en grandissant là, moi j'ai eu l'amour quand je grandissais, mais je n'ai pas eu l'amour venant des gens. Je ne connaissais pas ce que signifie l'amour venant des gens. Mon père m'a donné l'amour, ma mère m'a donné l'amour, mais les gens m'ont écrasé, humilié, saboté. Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que même si tu nais, tu sors du ventre de ta mère,
avec la confiance en soi, maman, avec la vie qu'on mène au quotidien, il y a des choses que tu peux vivre qui peut tuer, éteindre toute la confiance que tu as en toi. Donc, ce qui veut dire que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Tous les jours. Ne te sens pas frustré. Dis-toi simplement que voici une saison où je suis faible. Qu'est-ce que je dois faire pour, voilà, booster ma confiance? Au lieu de rester là, moi je suis contre ces femmes-là qui restent pour se critiquer. Je suis contre ces femmes-là qui n'arrivent pas à se relever. Parce que moi je dis que, voilà, il faut pleurer. Pour moi, ce n'est pas interdit de pleurer. Maman pleure, mais ne reste pas là à pleurer. Parce que vraiment, la vie est tellement violente. Tu restes là, tu pleures, maman, le monde avance. Oui, tu pleures, le monde avance, la vie avance. Oui, l'argent continue de tourner, comme moi je dis souvent. Vous comprenez un peu, les gens continuent de rire et fêter. Ils n'en ont rien à foutre. Donc maman, ne reste pas là à t'apitoyer sur ton sort. Oui, à un certain moment, il faut se remettre en question. À un certain moment, il faut pleurer. Mais maman, à un moment aussi, lève-toi. À un moment, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire? Pleurer ne donne pas la solution. S'apitoyer sur son sort n'est jamais la solution. Se critiquer n'est pas la solution. Lève-toi et passe à l'action. Posez des actes qui vont te permettre de booster ta confiance en soi. C'est très important. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, et partagez cette vidéo à une femme quelque part. Si vous vous sentez que vous avez assez de confiance en vous, il y a une femme quelque part dans votre entourage, oui, qui meurt à petit feu. Parce qu'entre nous, les femmes, on ne se lâche pas. Ça ne se dit pas toujours, vous comprenez un peu. La dépression existe. Et nous, les Africains, on a tendance à négliger ce côté. Il y a des personnes à côté de nous qui meurent à petit feu. Il y a des personnes qui se sont renfermées, qui sont dans leur coin. Vous comprenez un peu? Ben oui, il y a des personnes là qui sont affaiblies. Il y a des personnes qui n'arrivent même plus à se relever. Donc, partage cette vidéo-là pour donner un boom au cœur de quelqu'un quelque part. C'est très important. Je vais vous donner quelques astuces pour nourrir votre confiance en soi. Et moi, je dis toujours aux femmes, c'est tous les jours, mes reines. Vous devez poser les actions tous les jours. Vous devez poser des petites actions tous les jours. On va commencer par vous célébrer. Oui, commencez par vous célébrer, c'est très important. Récompensez-vous en tant qu'être humain, en tant que femme. Vu que je m'adresse aux femmes, on va un peu rester à... vous comprenez un peu. Récompensez-vous, vous savez, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui attendent que les compliments venant des autres, la récompense venant des autres. Ça dit que c'est pourquoi vous allez voir dans les foyers les femmes qui passent le temps à se plaindre. Mon mari ne me complimente pas. Mon mari ne me fait pas ci. Mon mari, en fait, elles attendent tellement du mari. Elles attendent tellement de l'autre. Maman, oui, pour travailler sur ta confiance en toi, tu dois te complimenter. Tu dois te récompenser. Ce n'est pas dans les grandes choses, hein. Non. Maman, tu arrives à lire deux paragraphes dans un livre. Récompense-toi. Tu arrives à t'acheter quelque chose, à investir sur toi. Toutes les femmes qui ont pris la formation, regagner la sérénité dans son couple en promotion. Maman, c'est quelque chose de fort. C'est un geste fort. Tu as investi sur ta beauté intérieure. Maman, tu dois te féliciter. Tu dois te récompenser. C'est vraiment dans les petites choses. Vous savez, les gens attendent de réaliser des grandes choses. De construire une grande maison pour dire que oui... Pour se récompenser, pour se donner de la valeur. Maman, non, ça commence dans les petites choses. Tu arrives à prendre la décision de recommencer à faire du sport. Maman, félicite-toi. Parce que si tu ne le fais pas, oui, personne d'autre ne viendra le faire à ta place. Tu es mieux placé pour te récompenser que les autres. Vous savez, dernièrement, je vous disais en live, et même lorsque j'écrivais un petit paragraphe là, c'était le 19 novembre suite à mon anniversaire. Oui, je disais en live, laissez-moi un peu me jeter les fleurs. Laissez-moi un peu me valoriser. Parce qu'à un certain moment, on en a besoin. Lorsqu'on voit par quoi, ce qu'on arrive même à faire au quotidien, on doit se valoriser, on doit se récompenser. N'attendez pas des autres. N'attendez pas que les autres viennent toujours vous apprécier. N'attendez pas que les autres viennent vous récompenser, viennent vous dire, ah tu es belle, ah tu es magnifique. Maman, sens-toi belle, sens-toi magnifique. Oui. Ça n'a rien à voir avec la prétention, l'orgueil. Hein. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez un peu? À un certain moment dans la vie, on en a besoin. Lorsque j'écrivais, voilà, je faisais le message, comme je disais, pour mon anniversaire. Je disais, non, j'ai pas un message à dire, en fait. En fait,
Je veux plutôt me nourrir de l'intérieur. Je voudrais me récompenser. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai mis, voilà, fait-elle, coach certifié et tout ça. Je voulais me récompenser, oui. Je voulais dire, ah, fait-elle, tu es brave. Oui. Je voulais dire, ah, fait-elle, tu mérites. Et je ne voulais pas que c'est les autres qui me le disent spécialement en commentaire. Je ne voulais pas entendre forcément venant des autres. Je voulais déjà commencer, oui, à me dire que fait-elle, tu es brave, tu es ci, tu es ça. Et parfois, certaines femmes ont peur, elles ont honte, parce qu'on va les trouver prétentieuses. On va dire qu'elles sont orgueilleuses. Non, ce n'est pas de l'orgueil. La bonne charité commence par soi-même. Si tu n'arrives pas à te donner une certaine valeur, oui, les autres ne viendront pas te donner la valeur. Les autres ne viendront pas te dire ce que tu mérites. Vous comprenez un peu? C'est toi, tu dois te positionner. C'est-à-dire que tu te positionnes déjà comme une femme qui est sûre d'elle, comme une femme qui se félicite, comme une femme qui est ci, qui est ça. Et c'est comme ça que les autres vont suivre tes pas. Mais si tu attends que c'est la société, maman, c'est les jugements que tu veux voir. C'est les jugements de ça. C'est-à-dire qu'ils viendront écrire ton histoire à ta place. Ils viendront dire même des choses qui n'existent pas sur ta vie. Maman, apprends à te récompenser pour les petites choses. Ça part de là. Et ça, c'est tous les jours. En fait, la confiance en soi, c'est notre base. En fait, est-ce qu'il y a une reine qui comprend? La confiance en soi, c'est notre fondement, notre base. Et elle se construit comment? Elle se construit comme si on construisait une maison. On fait la fondation, c'est-à-dire petit à petit, un par un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. C'est un peu comme ça que fonctionne la confiance en soi. C'est-à-dire c'est petit à petit. Lorsque tu prends certaines habitudes, oui, au quotidien, lorsque tu insources certaines habitudes au quotidien, après ça va se faire naturellement. Et inconsciemment, tu verras que ça te transforme. Inconsciemment, tu verras que voilà. Oui, tu es toujours cette femme qui est sûre d'elle. Oui, apprenez à vous donner de la valeur. Oui, apprenez à vous récompenser, mes reines. C'est très important. Pour travailler votre confiance en vous, vous avez besoin de ça. Arrêtez de vous insulter. Arrêtez de penser que vous ne valez rien. Parce qu'un homme vous a déçu. Votre vie n'est... C'est-à-dire que, oui, parce qu'un homme vous a déçu. Parce que vous avez enchaîné les déceptions amoureuses. Pour vous, vous ne représentez rien. Vous ne valez rien. Maman, est-ce que tu as pensé à tout ce que tu as pu réaliser durant cette année? Oui. Est-ce que tu as pensé à tout ce que tu réussis à faire au quotidien? Tu es une maman seule, tu as 4 enfants, tu as 5 enfants, tu arrives à les élever, tu arrives à joindre les deux bouts tous les mois, sans toutefois tomber même en découvert. Maman, c'est une très bonne chose. Tu dois te féliciter. Oui, tu dois te féliciter. Tu arrives à être le papa et la maman de plusieurs enfants, même si c'est un enfant. Maman, tu as beaucoup de force, tu as beaucoup d'énergie. Ça mérite une certaine récompense. Et parfois, pour se récompenser, c'est quoi? Maman, c'est commencer par se dire des belles paroles. Même si tu n'as pas l'argent pour aller t'offrir une paire de chaussures, pour aller t'offrir ci, pour aller t'offrir ça. Maman, ça commence par ce qui sort de ta bouche. Oui. Dis-toi des belles paroles. Dis-toi des belles choses. Apprécie la personne que tu es. Vous aimez apprécier les autres, mais vous avez du mal à vous apprécier. Vous aimez donner la valeur aux autres, mais vous avez du mal à vous donner la valeur. Je connais une personne avec qui je parle régulièrement, je lui ai fait cette reproche. Tu aimes apprécier les autres, tu aimes mettre les autres à un certain niveau. Mais tu sais ce qui me dérange dans ça? C'est que, en fait, tu arrives à faire aux autres ce que toi-même tu es incapable de te faire toi-même. Et ça, c'est dangereux. Lorsque tu arrives à donner aux autres ce que tu ne peux pas te donner toi-même, il y a un problème. Maman, ça voudrait dire qu'à un certain moment, tu vas sombrer. Ça voudrait simplement dire que tu n'as pas confiance en toi. Ça voudrait simplement... En fait, c'est un message même que tu passes à ces personnes-là. C'est un message que tu passes autour de toi. Oui, il y a beaucoup de femmes, même dans les relations, qui se trouvent dans ce genre de situation. Elles arrivent à offrir aux hommes ce qu'elles sont incapables de s'offrir elles-mêmes. Elles arrivent à donner aux hommes des cadeaux précieux. Elles arrivent à donner même de leur temps, oui, aux gens. Pourtant, elles-mêmes, elles n'arrivent pas à prendre 10 minutes pour se valoriser, pour se donner des belles paroles. Eh oui, il y a beaucoup de femmes comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes comme ça. Oui, maman, lorsque tu le fais, ne sois pas surpris que demain, oui, cette personne te méprise. Parce que les gens te traitent de la manière dont ils te voient te traiter.
Oui, ça dit que si tu te traites bien, si tu te traites avec délicatesse, si tu te traites avec beaucoup de respect, si tu te donnes de l'amour, les autres vont te renvoyer ce que toi tu es capable de donner. Oui, on ne peut pas te donner quelque chose que tu ne mérites pas. C'est-à-dire que la vie ne te donne pas quelque chose que tu ne mérites pas. La vie ne te donne pas quelque chose dont tu es incapable de te donner à toi-même. Donc vous voyez que c'est important de se donner de l'amour. C'est important de se récompenser dans la vie. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Si le message est bon, oui, envoyez les cœurs et partagez. Ça, c'est la première technique pour booster votre confiance tous les jours. Oui, tous les jours, booster votre confiance. Vous savez, j'ai une certaine routine que j'ai mis en place tous les jours. Au début, je les avais sur un calepin. Mais vous savez, quand vous instaurez une routine à la longue, ça coule tout douce quoi. Ça, vous commencez à répéter ça, c'est naturel. Je me lève le matin, je prie. Je me lève le matin, après la prière, je fais mes affirmations. Voilà, je peux aller sur YouTube, hein, peu importe. Voilà, je trouve une vidéo de ce que je veux regarder. Voilà, moi j'aime beaucoup la musique aussi. J'écoute la musique. Et lorsque je le fais, je déjeune en même temps. Oui, je déjeune en même temps. Je prends beaucoup de temps pour moi le matin. Et c'est pourquoi c'est important pour moi de me lever très tôt avant tout le monde. Oui, parce que quand mon équipe là, oui, l'équipe de football là se réveille, je n'ai plus du temps. Voilà, ça devient très compliqué. Donc je suis obligée de me lever très tôt le matin pour le faire. Et avant de me coucher, je me donne encore de la valeur. Quand je vois ce que j'arrive à faire, je me donne de la valeur. C'est très important pour moi. Oui, c'est très très important pour moi de me donner de la valeur. Parce que je sais que, c'est-à-dire que c'est ça tous les jours qui construit ma confiance en soi. Ça me laisse à un certain, ça laisse ma batterie. C'est-à-dire que vous devez à chaque fois mesurer votre confiance en soi comme la batterie sur le téléphone. Oui, vous voyez la batterie sur le téléphone, non? Est-ce que vous êtes à 100%? Est-ce que vous êtes à 80%? Est-ce que vous êtes à 50%? Est-ce que vous êtes... Donc, à chaque fois, j'ai besoin de me poser la question, à quel niveau je suis? Oui, parce qu'on vit dans un monde où les gens sont frustrants. Les gens sont devenus aigris. Si tu n'as pas confiance en toi, les gens même vont te coller une étiquette. Oui, les gens vont te coller un parcours. Oui, maman. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, oui. C'est-à-dire que les gens vont te faire, tu vas te sentir mal. Oui, tu vas te sentir mal, ma famille royale. Donc, c'est important que tu sois toujours calé. Je fais le maximum. Ça ne voudrait pas dire qu'il y a des jours où je ne suis pas faible, où je ne faiblis pas. Il y a des saisons où je faiblis. Il y a des périodes où je faiblis. Mais comme je vous disais au départ, je ne reste pas pleurer. Comme je vous disais au départ, oui, je me lève à un certain moment et je me dis, c'est-à-dire que je suis à quel niveau là? Oui, je suis à quel niveau là? Ma batterie est à quel niveau? Et voilà comment je commence à mettre des astuces encore en place. Je renforce encore s'il faut renforcer. Oui, la confiance en soi, c'est ça. Si j'ai besoin des ingrédients pour me sentir forte, je dis, ah, maintenant je vais commencer à faire ci. Ah, maintenant je vais commencer à faire ça. Et oui, c'est très important. Deuxième des choses, oui. Si vous voulez renforcer votre confiance, apprenez à dire non. Apprenez à être authentique. Apprenez à être qui vous êtes. Ça dit que soyez vous. Trop d'hypocrisie. Et ça vous tue. Trop d'hypocrisie. Trop double jeu. Double casquette. Vous savez, j'ai le courage de le dire aujourd'hui. Mais il y a de cela quelques années, je n'étais pas cette fidèle-là. J'étais trop gentille. J'étais trop gentille. Je ne savais pas moi dire non. C'est-à-dire que même si je dois m'endetter pour aider, je vais aller m'endetter. J'étais trop gentille. C'est-à-dire que la gentillesse n'était plus bon. Je n'étais pas gentille parce que je voulais. Il y avait des moments, c'est simplement parce que je me disais, ah, quand je ne fais pas, les gens vont dire que... Quand je ne fais pas, ils vont dire que je suis en bain, je refuse de les aider. Ils vont dire que oui, peut-être tu t'es marié, maintenant tu nous ignores. Ils vont dire que oui, ils vont dire que en fait, je pensais toujours ce que les gens vont dire. Je me sentais toujours redevable. Que ah non, je ne peux pas dire non.
C'est-à-dire que fait-elle, tu peux m'accompagner, c'est-elle, tu peux me faire si, même si j'ai un programme, j'annule, je peux pas faire. Je n'étais pas capable de dire non. Je n'étais pas capable, ou lorsque je veux dire non, je suis obligée de m'expliquer. Ah non, vraiment, je ne peux pas aujourd'hui parce que. Je suis obligée de m'expliquer pour que la personne comprenne le pourquoi de mon non. Oui, pour ne pas penser mal de moi, entre guillemets, oui. Mais je voudrais vous dire que lorsque vous le faites, vous vous tuez vous-même à petit feu. Oui, parce que lorsque vous dites non, oui, à tout et n'importe quoi, vous vous dévalorisez petit à petit sans vous rendre compte. Oui, sans vous rendre compte. Et la pire des choses, c'est quoi? C'est que vous êtes une personne qui porte deux masques. Vous êtes comme le caméléon. Oui, c'est-à-dire que vous ne vivez pas votre vie. Vous dites oui pour plaire. Vous dites oui pour plaire, mais au fond de vous, vous savez que c'est non. Oui, arrivez à... C'est-à-dire que soyez authentique. Apprenez à dire non. Que votre nom soit non. Et lorsque vous dites non, vous n'êtes pas toujours obligé de vous expliquer. Aujourd'hui, j'arrive à dire malheureusement non, je ne pourrai pas. Point à la ligne. Il n'y a pas d'explication. Parce que, je vais vous dire quoi, nous sommes des êtres humains et on a des droits. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire ça ne vous arrange pas. Vous avez le droit de dire très poliment, hein, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Vous pouvez dire non, gentiment, poliment. Vous comprenez? Vous avez le droit de ne pas vous expliquer. C'est votre droit. Vous méritez ce droit-là. Il y a des femmes qui ont grandi qui ne peuvent pas dire non. Oui, ça dit que même dans la relation, elles subissent. Elles subissent dans la relation. Elles ne peuvent pas dire non, tu sais. Vraiment, je ne peux pas. Le gars te donne rendez-vous à 14h. Il ne vient pas à 14h. Il vient à 22h. Il t'appelle. Oui, je suis devant ton parking. Mais maman, tu peux pas dire non, je suis désolée, je suis couchée. Non, tu as peur. Tu dis oui. Pourtant, dans ton cœur, tu es fâchée contre lui. Pourtant, dans ton cœur, tu dis que mais comment il peut me... À chaque fois, il me donne les faux rendez-vous. À chaque fois, il ne respecte jamais ses rendez-vous. À chaque fois, il est comme ça. Mais tu n'arrives pas à lui dire non. Pardon, taguez vos amis. Taguez des femmes, oui. Taguez vos amis, partagez dans les groupes WhatsApp. Comme vous envoyez le Congo ça à WhatsApp là. Moi, tu m'envoies le Congo ça à WhatsApp et te bloque. Oui. Comme vous envoyez le Congo ça à WhatsApp là. Envoyez une vidéo qui peut sauver, aider quelqu'un en WhatsApp. N'attendez pas ma nudité pour aller remplir les WhatsApp des gens. C'est-à-dire que ce qui est bon là, on n'en voit pas. C'est le négatif là qu'on fait la publicité avec. Taguez ça cette vidéo là, voyez ça quelque part les femmes. vous savez, vous allez remarquer sur les réseaux sociaux. Vous allez remarquer sur les réseaux sociaux, vous voyez des femmes. La confiance en soi, c'est devenu comme un slogan publicitaire. Oui, j'ai confiance en moi. Oui, c'est mon dé. Oui, je suis. Non, maman, c'est dans les actes. Oui, c'est pas un slogan publicitaire. C'est dans les actes qu'on reconnaît les personnes qui ont confiance en elles. Oui, ce n'est pas de bouche. Oui, ce n'est pas les publications. Oui, je suis ci, je suis tant, je suis tant, je suis tant. On a vu des femmes qui le font, mais lorsqu'elles sont confrontées à une situation, oui, on peut directement comprendre dans quelle catégorie elles se trouvent. Vous comprenez un peu? Eh oui, il y a toujours le nep-nep là. Hein? C'est pour la mauvaise haleine, je vous ai dit. Il y avait toujours gardé ça. Vous comprenez un peu? Non, ce n'est pas un slogan publicitaire, mais reine, ayez véritablement confiance en vous. Construisez votre confiance en vous, c'est très important. Apprenez à dire non, que votre non soit non, que votre oui soit oui. Oui, lorsque vous dites oui, que ça vous vienne vraiment du cœur, oui. Passez-vous, faites-vous passer en priorité. Vous êtes votre priorité. Oui, vous êtes votre priorité. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Vous êtes votre priorité. Oui, maman, arrêtez de faire passer les autres en priorité dans votre vie. Arrêtez de vous oublier. Vous allez finir par vous dévaloriser. Vous allez finir par vous mépriser. Oui, c'est ce qui arrive. C'est ce qui m'est arrivé même à moi. Je ne pouvais pas dire non. Je pouvais dire non. Je ne pouvais pas dire non. Elle de grâce, le oui m'a tué. Mais oui, ne dites pas oui à tout. Vous savez pourquoi vous êtes prête à dire oui? Parce que vous voulez vous faire aimer par tout le monde.
On ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Oui, on ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Détrompez-vous. Sortez ça de votre tête. Vous voulez tellement que les autres vous apprécient. Vous voulez tellement qu'on parle bien de vous. Mais sauf que l'homme est foncièrement méchant. Maman, l'homme est foncièrement ingrat. C'est-à-dire que le jour où tu vas dire non, maman, c'est les problèmes. Le jour où tu vas dire non, l'homme oublie tout ce que l'homme avait un grand H. Oublie tout ce que tu as eu à faire. Oui, l'être humain est comme ça. Donc ça ne sert à rien. Il faut se préférer. Oui, vous êtes votre priorité. Et vous savez, c'est un module, la confiance en soi. J'en parle beaucoup dans mes deux formations. La formation Regagner la sérénité dans son couple et la formation Activer la grâce du mariage. Parce que c'est fondamental. Oui, c'est fondamental. Oui, vous ne pouvez pas ne pas avoir, vous ne pouvez pas réussir dans quoi que ce soit si vous n'avez pas confiance en vous. Oui, si votre confiance en soi n'est pas au minimum à 70%. Vous comprenez un peu, c'est fondamental. Tous les jours, vous devez travailler dessus. Et ce qui se passe souvent, comme je dis à mes reines en formation, vous savez, c'est un module lorsqu'on aborde et lorsque tu commences à mettre en pratique. Ma chérie, c'est comme si tu as touché au diable. Oui, ne pense pas que tout va se passer calmement. Non, ma chérie. Lorsque tu commences à t'affirmer, parce que apprendre à dire non, c'est s'affirmer. C'est-à-dire que c'est se dévoiler. Ton vrai toi, c'est lorsque tu es authentique. Lorsque tu dis réellement qui tu es, c'est là où tu verras qui t'aime réellement, qui peut te supporter, qui ne peut pas te supporter. Et ce n'est pas toujours chose facile. Parce que lorsque tu vas commencer à dire non aux personnes à qui tu as toujours dit un oui, tu as toujours été là pour eux, maman, les problèmes commencent. On va te saboter, te traiter de tous les noms. Oui, c'est pour ça qu'en formation, je prépare souvent les reines à cette phase-là, qui est souvent très compliquée à gérer. Oui, parce que lorsque tu es gentil avec tout le monde, lorsque tu dis oui, tu es excessivement gentil, parce qu'on peut être gentil, on est tous gentils, mais excessivement gentil, vous comprenez un peu, lorsque tu fais passer les autres avant toi, oui, c'est là où il y a problème, vous comprenez, vous avez tout le monde est avec vous, mais le problème c'est que vous ne savez pas qui vous aime véritablement pour ce que vous êtes. Qui aime véritablement vos personnes? De nos jours, les personnes sont tellement, les gens sont mesquins, vous comprenez, si bien que, voilà, vous allez être avec les gens parce que vous les rendez les services. Les gens vont rester dans votre vie parce que voilà, vous les rendez les services. Parce que voilà, quand elles ont besoin des, même les assiettes pour les événements, c'est-à-dire qu'elles peuvent compter sur toi. Quand elles ont besoin du prêt d'argent, elles peuvent compter sur toi. Donc rien que ça, elles vont te garder dans leur vie. Mais le jour où tu arrives à t'affirmer et que tu dises, ah non, tu sais, ce mois-ci, je ne peux pas. Ah, cette personne qui t'appelait 14 fois par jour, commence ne plus à t'appeler. C'est-à-dire que coupe les ponts progressivement, petit à petit. Il y en a même qui vont aller droit au but. Ils vont couper complètement. Complètement les ponts avec toi. Et là, ça va te choquer. Mais quand tu es préparé à ça, oui, tu sais que c'est une phase par laquelle tu vas passer. Maman, ça dit que tu maintiens ta décision. Ça dit que tu n'es pas dans le doute parce que tu veux voir ceux qui sont prêts à rester avec toi. Ceux qui t'aiment véritablement. Parce qu'on est tous gentils. Oui, on est tous gentils. Mais donnez de votre gentillesse aux personnes qui le méritent. Ne donnez pas à tout le monde, à tout va. Non, ça vous épuise. Oui, vous dépensez votre énergie pour rien. Ça vous épuise énormément. Oui, donc deuxième des choses, mes reines, apprenez à dire non. Ça, c'est très important, c'est capital. Apprenez à dire non. Oui, que ce soit dans les relations sentimentales. C'est-à-dire que le non que moi je dis, c'est vraiment avec beaucoup de respect. Oui, ne confondez pas avec la mauvaise éducation, être mal poli, l'arrogance et tout, ça n'a rien à voir. Vous pouvez dire non, être sympa. Oui, c'est-à-dire que dans la politesse, vraiment, je suis désolée, mais je ne pourrai pas cette fois. Point. Ne pas pas expliquer pourquoi. Tu n'es pas obligé. C'est de ton droit. Tu n'es pas obligé d'expliquer. C'est de ton droit. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est très important. Et vous verrez que lorsque tu le fais, oui, maman, le respect que vous cherchez là, ça impose le respect, maman. Le respect que vous cherchez là, ça impose le respect. C'est-à-dire que tu commences par te respecter toi-même. Tu te donnes de la valeur. C'est ça aussi, c'est donner de la valeur. Tu te donnes de la valeur. Tu nourris. Oui, ton âme de beaucoup de valeur. Et oui, quand tu arrives à dire non, c'est très important. Oui, nourrissez votre esprit, la troisième des choses, des pensées positives. Il y a des femmes là
Hein, mes reines, vous êtes dans le passé, vous vivez dans le passé. Oui, vous vivez dans le passé. Vous vivez dans les regrets. Oui. C'est-à-dire que, moi, je dis toujours aux femmes, ne voyez pas le passé toujours comme quelque chose de négatif. Le passé peut être un enseignement. Essayez de renverser un peu la tendance. Oui, positivez un tout petit peu. Oui, oui, oui. Nourrissez votre esprit des pensées positives. Oui, nourrissez votre esprit des belles paroles. Arrêtez de vous insulter. Arrêtez d'être pessimiste. Non, si, ah le gars là, ah tu sais, les hommes m'ont toujours... Mais maman, les hommes m'ont toujours déçu. Maman, c'est Paul qui t'a déçu, ce n'est pas tous les hommes. Tous les Camerounais ne t'ont pas déçu. Tous les Ivoiriens ne t'ont pas déçu. Tous les hommes de la France ne t'ont pas déçu, maman. Si un homme t'a déçu, deux hommes t'ont déçu. Maman, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas tous les hommes. Non. Oui, arrête de te saboter. Arrête de parler mal de tes relations. Arrête de parler mal de toi-même. Oui, arrête de parler mal sur ta vie. Arrête d'être toujours négative. Oui, et si vous avez même ce genre de personnes autour de vous, oui, que vous êtes une personne très positive, vous comprenez un peu, fuyez ce genre de personnes. Elles vont vous pourrir la vie. Parce qu'au final, vous allez être cette personne pessimiste. Vous avez peur de tout, tout vous effraie. Tout est grave chez vous. Non. Non. Si vous êtes une personne, voilà, les pensées négatives vous viennent à flot. Oui. Essayez de les remplacer par les pensées positives. C'est un petit exercice. Dès que ça vient dans votre tête là, essayez de penser positivement. Oui, c'est très important. Essayez de penser positivement. Essayez de faire même les affirmations positives. Ça dit que pour vivre le présent, pour être dans le présent, vous êtes trop dans le passé. Mais je voudrais vous dire que c'est ce passé qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous devez aimer ce passé-là. Oui, vous devez aimer votre vie présente. Si vous n'aimez pas votre vie présente, qui va aimer votre vie? Si vous-même vous insultez votre vie, si vous-même votre vie vous énerve, maman, qui viendra aimer votre vie si vous-même vous la refusez? Oui, acceptez ce que vous avez vécu parce que ça fait partie de vous. Ça fait partie de votre personne. Oui, oui. C'est ça le problème, mes reines. Hmm? Arrêtez d'être dans le passé. Oui, si j'avais fait ça. Si, mais c'est passé, maman. Vis le présent. Profite un peu de la vie. Mais oui, arrête d'être dans les regrets. Cette relation est passée. L'homme-là, peut-être, il ne pense même plus à toi. Oui, oui. L'homme-là, il ne pense même plus à toi. Il a refait sa vie. Arrête d'aller fouiner, oui, sur les réseaux sociaux. Oui, arrête de vivre dans le passé. Ça bloque tes chances. Oui, ça bloque tes chances, ça t'empêche même de rencontrer quelqu'un de bien. Parce que tu es toujours dans le passé. Tu es dans la relation, oui. Mais ton esprit n'est pas là parce que toi, tu es dans le passé. Oui, tu es toujours dans le regret. Ah oui, j'aurais dû faire ci dans ma relation, mais sauf que tu l'as pas fait. Vis le présent. Focalise-toi sur le présent, oui. N'ayez pas honte de votre passé. Vous me voyez ici, non? Je parle de mon passé. Moi, je suis non stressée. Si vous voulez, prenez ça. Allez décortiquer dans les maisons. Où... I don't care. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. C'est mon passé qui m'a construit. Bah oui. Tous ces échecs-là, mon passé, ma vie-là, si je n'avais pas eu tout ça, je ne pense même pas que j'aurais eu le déclic, voilà, de commencer à m'intéresser au développement personnel. Non. C'est le passé qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Je suis le fruit de mon passé. Combiné au présent, vous comprenez un peu. N'ayez pas honte de votre passé. Oui, n'ayez pas honte de votre passé. Le passé est passé, vous l'avez vécu. Oui, c'est déjà fait. Ça dit que tu as eu des traumatismes, oh. Tu as été violé, oh. Tu as été si, oh. Tu as vécu ça, oh. Tu n'as pas eu de l'amour. Tu n'as pas eu ceci. Ta mère t'a pas donné l'amour. Ton père t'a pas donné l'amour. Tu as vécu dans une famille difficile, mais c'est passé, maman. Il faudrait que tu apprennes à vivre avec. Pour profiter un peu de la vie. Oui, il faudrait que tu apprennes à vivre avec. Oui, arrête de te lamenter. Arrête d'avoir honte de ce que tu as vécu. Pose-toi plutôt la question, quel est l'enseignement que je peux tirer de mon passé? C'est ça le plus important. Quel est l'enseignement que je retiens, oui, de mon passé? Par rapport à la situation que j'ai vécue, qu'est-ce que je retiens dans ça? Et tu verras que ça va t'enseigner. Bah oui.
Ça va t'enseigner pour la vie future. C'est ça le plus important. Arrêtez de fuir votre passé. Oui. Arrêtez de détester votre vie. Oui. Ça dit que vous bavez sur la vie des autres. Tout le monde a un passé noir. Oui. Tout le monde a un passé. D'une manière ou d'une autre. Oui. On n'a pas toutes vécu les mêmes choses. Mais chacun de nous, oui, a quelque chose qu'il a vécu, qu'il a marqué. Vous comprenez un peu? Donc, ne te dis pas, tu n'es pas la seule. Oui, tu n'es pas la seule à avoir été violée, maman. Il y en a des centaines. Dieu t'a gardé en vie. Dis-toi qu'il y a des personnes qui ont été violées, qui ont perdu leur vie pendant le viol. Oui, mais qu'est-ce que tu retiens de cet événement? C'est ça le plus important. Oui, qu'est-ce que tu retiens de cet événement? Vous savez, moi parfois quand je reste seule, je regarde un peu mon passé, mon enfance et tout ça. Je regarde mes blessures, je me dis, ce que je me suis toujours dit, c'est quoi? Je ne voudrais pas faire que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu. En fait, c'est l'enseignement que moi je tire de tout ça. Et je me donne tous les moyens pour épargner mes enfants de certaines choses. C'est un peu ça. Le passé enseigne beaucoup. Oui, le passé enseigne, oui. Alors que si vous reniez votre passé, si vous insultez votre vie, oui, le passé ne vous enseignera pas. C'est-à-dire que ce que vous renoncez, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu, vous allez continuer à faire revivre les mêmes choses à vos enfants. Vous n'avez pas eu l'amour étant petite, oui. Vous avez été violé parce que voilà, vous étiez un enfant négligent, vous négligez, il n'y avait pas de sécurité. Vous avez les enfants. Mais vous répétez encore les mêmes schémas que ce que vous avez vécu. Vous avez vécu avec des parents, une mère, je ne sais pas, dans la famille, où on ne vous a pas donné, oui, on ne vous a pas donné l'amour. Mais aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est protéger vos enfants, leur donner beaucoup d'amour. Ne pas vous limiter seulement à leur donner à manger, à boire, payer leur école, mais vous dire, ah, ce que moi, je n'ai pas eu là. Ça dit, j'ai grandi dans une famille où, lorsqu'on te donnait à manger, on payait ton école, c'était tout. Il n'y avait pas de communication, rien. Aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est épargner mes enfants de tout ça. Être dans la communication, leur donner au maximum d'amour. Parce que c'est ça qui va les construire demain. Ce que j'ai vécu, vraiment, je ne voudrais pas que mes enfants vivent cela. Oui, j'ai été violée par mon oncle parce que mes parents m'envoyaient beaucoup. Oui, mes parents m'envoyaient en vacances partout et n'importe comment. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce que je peux faire pour remédier à cela, c'est de sécuriser mes enfants. Éviter de les envoyer partout pendant les vacances. Éviter de les laisser avec les étrangers. Et même si je dois les laisser avec des personnes, je dois vérifier la moralité de ces personnes-là. Voilà comment le passé enseigne. Oui, le passé enseigne. Le passé enseigne, oui. Ne fuyez pas votre passé, oui. Ne fuyez pas votre passé, mes reines. Le passé enseigne. Il y a des femmes, vous n'avez même pas besoin de coaching, oui. Il y a des personnes, vous n'avez pas besoin de coaching. À partir seulement de ce que vous avez vécu, il vous suffit de prendre un moment, de vous asseoir et de vous dire, qu'est-ce que je retiens de ça? Comment est-ce que ça peut transformer mon lendemain? Et c'est tout. Vous commencez à mettre petit à petit en pratique. Oui, vous commencez à mettre petit à petit en pratique. Oui. Vous voyez les reines, c'est très important. La quatrième des choses, lorsque vous êtes affaibli, lorsque vous sentez que vous manquez de confiance en vous, vous savez, rentrez dans vos souvenirs. Vous savez, chacune de nous a vécu une belle expérience dans sa vie. Oui, en dehors des traumas qu'on a eus, on a vécu jusqu'à cet âge, on a vécu. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vécu quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais pu réaliser quelque chose qui vous semblait irréalisable. Il y a toujours quelque chose qu'on a fait, il y a toujours un acte qu'on a posé qui nous a rendu très fiers de nous. Donc lorsque vous passez cette phase-là, oui, cette phase où voilà, vous sentez que vous perdez confiance en vous, rentrez dans vos souvenirs. Faites cet exercice-là. Retrouvez-vous dans un endroit très calme, de préférence dans votre chambre. Oui. Essayez d'éteindre toutes les lumières. Posez-vous. Essayez de faire voyager votre esprit. Ça, je le fais fréquemment. Oui. Faites voyager votre esprit et revivez un instant merveilleux que vous avez passé. Revivez un événement qui vous a rempli d'amour, un événement qui vous a bluffé. Revivez quelque chose que vous avez eu à réaliser, qui vous a boosté.
qui vous a fait vous sentir exceptionnel. Revivez ça dans les rêves. Et vous allez voir que lorsque vous revivez ça, lorsque vous ouvrez vos yeux, oui, vous allez voir que ça vous nourrit. Et ça va vous faire comprendre que si vous avez pu réaliser ce petit quelque chose-là, si vous avez pu réaliser ce quelque chose qui vous paraissait irréalisable, maman, ça voudrait dire que, oui, vous pouvez faire plus que ça aujourd'hui. Ça voudrait dire que vous êtes une femme forte. Ça voudrait dire que, oui, vous pouvez faire mieux que ce que vous faites aujourd'hui. Et vous allez voir que lorsque vous allez terminer cet exercice-là, vous aurez le sourire aux lèvres. Oui, vous aurez le sourire aux lèvres. Vous allez vous sentir avec cette énergie positive-là qui vous habite. Vous allez vous ressentir avec cette force-là, cette nouvelle force-là, en vous disant, yes, je peux y arriver. Yes, ça voudrait dire que je peux le faire. Oui, c'est très important. Mettez cette petit truc dont on a parlé cet après-midi. Mettez en pratique. Et vous verrez que petit à petit, vous allez réussir à construire votre confiance en vous. C'est très important. Vous savez, on a toujours vécu quelque chose. Moi, j'ai des événements, quand je pense à ça, je médite dessus. C'est-à-dire que quand j'ouvre les yeux, je suis en joie, en larmes. Parce que je me dis, waouh, donc j'ai pu faire ça. Oui, il y a des choses parfois qu'on arrive à réaliser. Parfois, quand on reste, excusez-moi, on se dit, waouh, c'est nous qui avons fait ça. Ah, c'est nous qui avons fait ça. Et lorsque tu penses que tu as réussi à faire ça, tu te dis non, ça voudrait dire que, mais ça voudrait dire que j'ai le droit de rêver. Ça voudrait dire que je peux faire des choses, des grandes choses plus que ça. Ça voudrait dire que, voilà, je suis une femme comme ça, comme ça. Et oui, c'est très important. Et la dernière des choses, c'est quoi? Apprenez à connaître vos qualités. Oui, vous êtes des merveilleuses personnes. Vous avez beaucoup de qualités, mais vous savez, parfois les difficultés de la vie vous font croire que vous ne valez rien. Parfois vous vivez, vous enchaînez par exemple les déceptions, même amoureuses. Vous enchaînez les conflits dans le foyer. Et vous avez l'impression, parce que c'est une impression, que vous ne valez rien, que vous ne représentez rien, que vous n'êtes rien. Pourtant vous êtes une personne merveilleuse. Pourtant vous avez beaucoup de qualités. Alors apprenez à connaître vos qualités et à appuyez-vous sur vos qualités. Vos qualités doivent être comme votre force. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, prenez une feuille. Posez-vous et listez vos qualités, listez vos défauts. Vous verrez que vous êtes extraordinaire. Vous verrez que vous avez beaucoup de qualités. Lorsque vous connaissez vos qualités, maman, ça vous permet de connaître votre valeur. Ça vous permet de savoir que vous n'êtes pas n'importe qui. Ça vous permet de savoir que, voilà, quelqu'un d'autre ne peut pas venir vous rabaisser. Oui, quelqu'un d'autre ne peut pas venir t'insulter. Un homme ne peut pas t'insulter. Oui, tu ne vaux rien. Tu sais même à quoi. Tu es machin et ça te touche, maman, parce que tu es sûr de qui tu es. C'est très important. Parce que tu es sûr de qui tu es. Tu connais tes valeurs. Tu connais ta valeur. Tu sais ce que tu vaux. C'est très important. Arrêtez-vous sur vos qualités. Mais je vois beaucoup de personnes, oui, s'arrêtent seulement sur les défauts. Oui, je n'arrive pas à faire ci. Oui, le gars là m'a insulté, je suis comme ça. Je suis une vaurien, je n'arrive pas. Mais maman, en dehors de ce que tu n'arrives pas à faire, oui, maman, tu arrives à faire plein de choses. Que si tu prends un bic et une feuille, tu arrives à les lister. Tu verras que tu vas faire deux formats. Tu verras que tu vas faire trois formats. Tu verras que tu as tellement de qualités, si bien que ta place est à côté de Dieu. Ben oui. Tu verras que tu as tellement de qualités, si bien que ta place là, c'est au ciel. Ce n'est même pas sur terre. Et oui, c'est très important. Oui. Donnez une chance à votre vie, ma famille royale. Oui. Donnez une chance à votre vie. Je vous ai dit que 2023, c'est notre année. Voilà. Vraiment, mettez tout ça en pratique. Voilà, pour que 2023 vous trouve en forme. 2023 se prépare maintenant. Ce n'est pas pendant le réveillon. Ce n'est pas la veille qu'on prépare son année 2023. C'est maintenant que ça se prépare. Oui. Commencez à modifier dans votre vie. Oui, au quotidien, ce qu'il y a à modifier. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est comme ça que vous allez y arriver. Hein, ma famille royale? C'est très important. Mm-hmm. Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, oui, pour la conférence offerte, gratuite, qui est offerte par l'Académie EEM by Fetel, l'école de l'épanouissement du mariage. Écrivez-nous pour vous inscrire. Vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez aussi nous contacter inbox. Écrivez-nous, elle est offerte, la conférence,
en ligne. Elle va se tenir dimanche prochain à 15h de France. Ne rate pas cette occasion, cette opportunité d'échanger avec d'autres reines, d'échanger avec moi, de poser tes questions gratuitement. 2023, là, c'est notre année. Mm-hmm. En 2023, deviens une femme puissante. Maman, deviens une femme puissante. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans les pleurs, les lamentations, les critiques, les ci, les ça. 2023, là, c'est notre année. Parce que ça va nous trouver forte, puissante. Voilà. Donc, si je te reconnais, Nancy, vous pouvez nous écrire inbox. Maman, merci beaucoup. Mention spéciale à toi, femme de grande valeur. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Nancy, vous pouvez nous écrire inbox, voilà. Mais je sais qu'il y a eu le numéro de téléphone qui défilait là. Si vous ne retrouvez pas, écrivez-nous inbox. Même pour passer vos commandes pour, voilà, la tisane à Toté, le Dieuka, le Neb-Neb, écrivez-nous, voilà. Vous allez sur notre page, vous avez tous nos coordonnées. Voilà. Allez, bon après-midi à vous. Portez-vous bien. Je vous aime.